tellement vite, c'est incroyable. Le quartz, ça sert toujours, par contre. L'avantage, c'est qu'au moins, on peut obtenir la netherrack assez rapidement. Ça, c'est pratique, par contre. Par contre, faire gaffe aux sources de lave, ça, c'est le plus chiant. Ouais, je sais qu'il y en a au-dessus. Bon, ben moi j'ai le chat qui vient m'emmerder, c'est super. Oui, t'es une emmerde. Parce que t'aimes. De quoi? Il ouais. T'a pas dit assez souvent. Ouais, c'est ça. Non, mais t'es. Hein bon, c'est pour ça qu'on va entendre du bruit bizarre. Bonjour à tous. C'est Benra185 et on se retrouve ben, voilà, pour le nouvel épisode de Lucky Cube. D'ailleurs, je suis pas tout seul, d'ailleurs, pour vous entendre, voilà. Il y a mon voisin qui est là. Salut Zar. Bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, dites-vous qu'on est là, on est en train de faire un truc. On est sur le projet de la mairie que j'ai prévu. Regardez. Tada! Voilà, on est sur ça actuellement. Au moment où j'ai débuté, voilà, on a commencé à faire le. On va dire la. Comment vous expliquer ça? Voilà, tout est marqué sur le panneau. Voilà, c'est la chapelle. La future chapelle du Saint Fanfan. Alors, pour ceux qui disent Fanfan, ça vous dit rien. Fausse de Fantasy de Sega, ça vous dit peut-être quelque chose. Par contre, le chat, tu vires s'il te plaît. Allez! Mince, voilà, ça c'est fait. Donc, oui, on va me dire, c'est pas bien, t'as viré ton chat et tout, t'as truc, tralala. Mais, excusez-moi, moi je peux pas jouer et papouiller le chat en même temps, voilà. Ah, non, mais c'est vrai ça, vous avez déjà essayé, vous? Voilà. Ah, non, jamais. Voilà, donc voilà. Donc, vous pouvez pas savoir, voilà, voilà. Donc, arrêtez de m'emmerder avec ça. Non, mais oh. Bon, alors, sur ce, bah, si vous pouvez voir, donc, pendant qu'on est en train de. Vous pouvez nous voir en train de construire ça. Tout ça. On va parler d'ailleurs, je pensais à un truc, parce que c'est vrai qu'il faut savoir qu'il y a les snapshots qui sont sortis d'ailleurs de la 1.14. Hein, voilà. J'ai eu l'occasion d'en tester d'ailleurs, ça, je trouve ça assez sympa ce qu'ils proposent. Notamment au niveau des. La 1.14 d'ailleurs par rapport à ma config, enfin en tout cas à ma carte, c'est bizarre en fait par rapport à la 1.13, on va dire la dernière snapshot, elle est beaucoup plus stable au niveau du rendu, c'est-à-dire que là où tu vois ça va galérer à rendre, tu sais, comme c'est l'ancien. Comme c'est l'ancien système de rendu, ça va faire de manière beaucoup plus fluide. Bon, par contre, j'ai que 60 fps, contrairement à là où là, en fait, en réalité, ça filme à 120, même si ça enregistre à 60, on va dire. Voilà, hein. Pour la petite info, petite anecdote. Mais contrairement, bah, ça filme plutôt de manière optimale, et ça, c'est cool, en fait. Et c'est ça que j'aime bien, en fait, dans cette snapshot-là. Voilà. Ouais, c'est une bonne chose. Hein. Ouais. Ah oui, non, mais franchement, l'optimisation. Que des améliorations. Ouais, ouais, ouais. Bon, même si apparemment il y a encore quelques défauts, j'ai l'impression que l'optimisation, parce que j'ai vu que ceux qui avaient des grosses configs, apparemment, ça avait du mal à fonctionner. Hein. Je sais pas, peut-être parce que justement, c'est des grosses configs, j'allais dire. Parce que c'est vrai que moi, j'ai une petite carte graphique, ça a fonctionné. J'étais à 60 fps, mais constant, on va dire. Il y avait le lag spike, je le sentais pas. Tu sentais quand même que le jeu quand même avait du mal à rentrer, à charger les chunks quand même, ça se voyait quand même au bout d'un moment. Donc tu te dis, ah c'est cool, mais c'est pas ça encore. Voilà, c'est mieux, mais c'est pas encore ça. C'était vraiment ça le truc. D'ailleurs, je pensais aussi à un autre truc, parce que c'est vrai que là, on est dans la 1.14, je me dis comme ça on va en discuter en même temps, entre temps. Hein, voilà, dis celui qui cherche un sujet. D'ailleurs, parce que oui, je sais pas si t'as remarqué, t'avais qu'il y avait dit, il y avait aussi 10 nouveaux blocs. Je sais pas si t'avais vu ça, il y avait 10 nouveaux blocs maintenant qui sont dans la. J'ai eu des petites images. Hein. Ouais. T'en penses quoi, toi, personnellement? Ah, bah que Minecraft doit avoir des éléments qui se ressemblent un peu à ce qu'on a déjà dans les mods. Hein. Ouais, voilà, il y en a beaucoup mais qui disent. Bon, s'il y en a pas trop, ça devrait. C'est ça, c'est ça. Il y en a beaucoup qui disent que Minecraft est en train de basculer vers le modé. En fait, ce qui se passe, c'est qu'en fait, bon, il y a des tables qui vont servir. Parce qu'il y a des crafts, tu m'excuseras, comme les flèches. C'était devenu tellement complexe à faire que, bon, tu pouvais pas faire quelque chose de correct. On était d'accord. On est d'accord là-dessus. Hein? Ouais. Le problème, c'est que pour certains autres crafts, c'est vrai que je suis pas très. Je sais pas pourquoi ils l'ont rajouté. Après, c'est vrai que, bon, enfin, techniquement parlant, là, au moment où j'enregistre, la snapshot est pas encore sortie. Ça se trouve, elle va sortir au moment où je poste la vidéo, tu vois, la snapshot, la future, la dernière, prochaine snapshot. Et le truc, c'est que j'ai remarqué, en tout cas, que. Bon, déjà, ils étaient fonctionnels, mais il y a des trucs, tu sais.
Je sais pas pourquoi ils l'ont fait, parce que d'ailleurs je pense que notamment au niveau du nom, bon déjà non, le métier à tisser ça va servir, enfin ce que j'appelle le nom c'est le loomer, c'est techniquement c'est un métier à tisser les gens, ça je vous le dis tout de suite, techniquement c'est assez techniquement ça. Je remarque, bon ça va être pratique par contre pour faire les bannières, ça c'est sûr et certain, ça va être ultra pratique. Le truc que je trouve un peu... Que je trouve un peu, c'est que j'ai remarqué qu'il y a certaines choses aussi qui vont être complexifiées. Alors, est-ce que ça veut dire que la nourriture, ce que je vois par exemple, le smoker, ça s'appelle un smoker, donc je dirais qu'en français ça s'appellerait un fumoir. Alors, pour ceux qui savent, le fumoir, bah, c'est pour faire. Ça sert à cuire de la viande avec de la fumée, hein. Prenez faire de la viande séchée, des machins comme ça. Est-ce que ça voudrait dire plutôt dire un nouveau type de viande pour appeler un truc comme ça? Et pareil, le blast fournaise, bah, c'est un four qui est beaucoup plus chaud, on va dire, que le four classique, donc sans doute pour faire cuire les. C'est-à-dire que. Et tout ce qui est pierre et minerai, il faudra sans doute le faire cuire dans le blast fournaise, des machins comme ça. Après, on dit que c'est une pillage, village et pillager. Peut-être que c'était peut-être des blocs que pour auxquels interagir justement les villageois. Tu vois ce que je veux dire, contrairement à notre truc actuel. Ouais, ça, ce serait rajouter un vrai plus. Hein. Ouais, ça veut dire que toi, tu mettras ça. En fait, ça peut-être aussi peut-être des blocs qui vont servir peut-être à ça. Ça serait plus logique, je dirais. C'est-à-dire que ça va servir. C'est-à-dire, nous, ça va servir peut-être en tant que truc classique, mais pour les villageois, ça va servir en tant que. De manière beaucoup plus spécifique, on va dire. Je trouve ça intéressant. D'ailleurs. Ah bah ouais. Non, ouais. D'ailleurs, en parlant de villageois, d'ailleurs, pour ceux qui ont remarqué, on va arrêter un peu la construction. Si vous regardez bien la fontaine, alors, personne n'avait trouvé ce que c'était. Si vous regardez bien, si vous enlevez la flotte, j'ai déjà, enfin, c'est des villageois qui, c'est des libraires qui pleurent. Regardez, ils pleurent, ils sont pas contents, ils sont tristounets. D'ailleurs, pour ceux qui pensent que ce gros bâtiment là, ça va être, bah, c'est la bibliothèque tout bonnement et simplement, hein, voilà. Hein. Enfin, en tout cas, avec c'est Amol qui s'est dit, ben voilà, je propose de la continuer. Par contre, Amol, je crois qu'il oublie un détail si vous remarquez là, même en face, ça se voit. Il y a peut-être un problème au niveau de la taille, la largeur des couloirs, je pense. Il y a de ça aussi le gros souci. Voilà, hein, c'est ça le problème, les couloirs sont pas très larges. D'ailleurs, je pensais à un truc aussi. Il y a un autre villageois dehors qui avait son apparition, vous pouvez le voir, voilà. Pour ceux qui se rappellent, regardez. Et vous reconnaissez bien sûr la fameuse balise, le fameux beacon. Bah, regardez, voilà, j'ai fini de décorer. On apparaît, on a des villageois. Bon, c'est un prêtre, mais bon, ça reste un villageois quand même. Bon, même s'ils seront différents en 1.14. Alors, les deux blocs d'émeraude, c'est pas moi qui les ai posés, hein, pour ceux qui se poseraient la question. Ouais. Voilà. Parce que monsieur n'a pas. C'était gentil, je te jure que c'était gentil. Ouais, bien sûr, allez. Une petite tape pour, voilà, pour dur, pour on sait jamais. Et bien sûr, regardez, on a encore un autre qui a fait son apparition, c'est sur le pont, hein, on le voit de loin. Bon, j'ai pas opti. D'accord. C'était gentil. Sauf que là, je peux te courir plus rapidement après. Bref, en tout cas, c'était opti. Bon, bref, malheureusement, il n'y a pas OptiFun sur 1.13, en tout cas. Enfin, en tout cas, je ne l'ai pas. Même si elle est sortie, je n'ai pas la version. Voilà, c'est bon, tu vois ce que c'était? Oui, une version speed, ok, j'ai remarqué. Ok, monsieur joue avec les potions, comme quoi. Donc voilà, donc un truc comme ça, un peu plus de déco, on va dire, sauce spawn, tout ci, tout ça. D'ailleurs, parlant de déco spawn, savoir que bon, Vivi a essayé d'avancer un peu son truc, j'ai bien un peu. Voilà, il y a juste une partie du toit qui a avancé, voilà, juste cette partie-là qui a avancé. Il y a l'intérieur aussi qui a été fait, voilà, ça a changé. Il y a toujours certains points de vue à partir desquels on voit qu'il y a des. Ouais, quelques changements. Trop encore. Hein. Ouais, voilà. D'ailleurs, en parlant de changement, maintenant j'ai fini. Ça y est, tous les bâtiments de ce côté-là sont tous terminés. Enfin, extérieurement parlant, parce qu'il me reste encore intérieurement parlant à faire. Hein, ça, c'est sûr et certain. Bon, regardez, ouais, y a rien dedans déjà dans celui-là. Et je crois que dans celui-là. Alors, ce qui est bien, c'est que je vais viser très rapidement. Regardez. Et là, pareil, vous voyez, y a rien. J'essaye que le mec continue à courir à fond comme un bah, tarré. Là, t'as la popo de speed, hein, donc. Ouais. D'ailleurs, je pensais à un truc. Vous savez que j'avais dit que je faisais un laboratoire. Ben, regardez. Le voilà. Il est terminé, le labo. Voilà, avec la machine redstone, voilà, qui sert à faire les potions. Elle est extrêmement simple, en fait. Si vous voulez. Si vous me demandez dans les commentaires, je vous ferai vous montrerai à quoi elle ressemble dans mon monde solo, voilà. Tout ça. Donc, en fait, c'est caché en dessous. En fait, il y a un minecart qui est juste ici qui va donc délivrer simplement les potions. Voilà, tout est camouflé, c'est ça qui est cool en fait. Et par contre, on est juste en face de Chezar. Voilà. Qui d'ailleurs s'est fait. Malheureusement, je crois que ouais, la baraque est un peu grande. Mais il me semble que je vais faire rajouter des fenêtres aussi de ce côté-là, comme ça je boucherai pas tout. Ouais, non, mais t'inquiète. C'est pas grave si c'est pas le vis-à-vis, je veux dire, franchement, c'est pas trop le plus gênant. Regardez. Ouais, parce que là on veut voir que c'est pas fini encore de ton côté, de ce côté-là, regardez. Par contre, ça va faire des rues, ouais. Regarde, vraiment, t'as pas très besoin. Regarde, aïe, aïe,
Aïe, tu te cognes la tête des Ah bah cuissons. là, c'est typiquement la petite ruelle moyenâgeuse. Ah ouais, mais vraiment très extrêmement étroite, hein, ça c'est sûr et certain. Ah mais ça, voilà, puis d'ailleurs, on va aller voir chez lui, maintenant comme il est là, on s'autorise à rentrer chez lui, voilà. Vous pouvez le voir, il y a rien, voilà. Il y a rien chez lui, il y a rien. Ah oui, à Y a part ça en ce... préparation. Voilà, il y a ça en fait, il y a ça en fait. Oui, il y a une espèce de grosse cheminée, hein, voilà. Oui, on va Cheminée dire... qui permet de monter Ouais, aussi. d'ailleurs, hein, pour ceux qui... Oui, ça veut dire... Oui, on va dire qu'en cheminée, c'est lui qui a la plus grosse, voilà. Ah oui, j'ai le droit, j'ai le droit. Voilà, il y a celui qui a la plus grosse, voilà. Et non, ça n'a rien à vous, et non, ce n'est rien de, voilà, d'ailleurs, il y a petit, d'ailleurs, on peut voir qu'il s'est fait un petit grenier, d'ailleurs, ça va être assez sympathique, une fois terminé. Ouais, j'ai le grenier, puis si je veux, j'ai même l'accès à la mine directe, hein. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait une Mine espèce qu'on de a fait en cave en fait dans un des dessous. épisodes, tu vois, en réalité, on était arrivé par là en fait. Mais voilà, une espèce de cave, voilà, il y avait une espèce de cave, en fait, en dessous de chez toi, on Voilà, entendait et du bruit, voilà, en fait, on est allé voir, puis c'était ça. voilà, c'est ça. Voilà. Bon, pour l'instant, là, il va essayer de faire une espèce de camouflage, on verra bien ce que ça va donner, voilà. Tout si, tout ça. Bon, écoutez, moi personnellement, j'ai plus grand chose à dire, à part pour voir, parce que là, c'était vraiment, il passe vraiment pas grand chose sur le serveur. D'ailleurs, il faut savoir que Killer, Griefer, tout ça, ils ont fait une pause, hein. C'est pour ça d'ailleurs qu'on les voit plus, d'ailleurs. Tout si, tout ça. Pareil, Black, tout ça, ils étaient là tout à l'heure, mais ils sont pas là au moment où je filme, donc c'est pour ça que vous les voyez pas, hein, voilà, aussi. Tout ça, je vais le répéter pas mal de fois, c'est ce truc-là. En tout cas, bon, nous on va continuer la fameuse chapelle, voilà, et vous verrez sans doute un peu plus, je suis à mieux terminer dans l'épisode qui suit. Tandis que là, voilà, la musique a dû s'activer, le soleil se couche, voilà, la musique s'active. On vous dit donc à la prochaine pour un futur épisode de Lucky Cube. Ciao! À la prochaine!